On se retrouve pour l'épisode 7 de Man of Medan. On est à notre dernier cercueil. Regarde celui-là. On dirait un modèle pour enfant. Je préfère pas savoir. On se tire d'ici. Oui, c'est peut-être bien le petit Dracula. Et ça, c'est ses parents. Et ils reposent dans la terre de leur pays d'origine et... Soudain, ils se jettent tous sur Conrad et ils le dévorent. Fini. Allez, remue-toi un peu, quoi. Oh non, ne me dis pas que c'est le cercueil du gosse là qui a tué tout le monde. Attends, non, bien sûr que je vais aller par là. Attends. Même vers la droite, carrément, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a? Putain. Est-ce que vous êtes prêts à mourir, les amis? 3, 2, hop là! Quoi? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Quoi? Sérieusement? T'essaies de me faire flipper? Hein? On pourrait se tirer d'ici. The fuck, man! Holy shit! What? Y'avait une tête là! No way! Putain! En plus, avant que la tête elle tombe, j'allais dire: oh putain, pour une fois ça m'a pas fait peur le rat! Et no way! Grosse tête qui me schlague la gueule! Arrêtez à un moment donné! C'est la femme qui fait tout ça, j'en suis sûr! Oh mon seigneur Dieu! Attends, mon pote. Ok, je crois que je suis revenu en arrière. Ouais, en fait, il n'y avait pas de... Ah, putain. What? On m'a bien niqué l'enculé, hein. Wow. Il n'y a rien qui dépasse ici. Oh, il y a eu un bruit. Il y a eu un screamer ou quoi? Il est où, Conrad? Je rigole pas, c'est vraiment pas le moment de déconner. Je suis à bout, là. Oh non. Tu... C'est moi? Ou ça fait encore plus peur que Until Dawn? Oh! Putain. Putain, en plus, il y a des vrais bruits chez moi. La vie de ma mère. La vie de ma mère que la femme est là. Elle est chez Wham. Conrad, tiens, avale un peu ça. Hé, il est où? Parti chercher un vrai médecin? J'en étais sûr. J'ai dit tout à l'heure, mais il est où l'enculé? Ok, je peux pas aller plus loin. Oh putain. Oh, j'ai peur. Putain, mais c'est... Sérieux, il est où, Conrad? Conrad? Il doit juste prendre un peu l'air. Conrad! Par contre, si Conrad il met un screamer, je lui démonte sa gueule. Bon sang! Ce type est mort de peur. Je voulais pas voir ça. C'est un médecin, non? Bon, l'autre il va me sauter à la gueule, c'est sûr. Par contre, Conrad, gros, je t'aimais bien. Si tu mets un screamer, je vais te détester. Hein. Ok, alors, il devait se faire opérer de l'appendicite, une procédure courante, et il est mort d'un énorme infarctus, ce qui est beaucoup moins courant. Alors ça, c'est clair. Non. Bon, vous êtes prêts? On va y aller, hein, on n'a pas le choix. Hein. Enfin, si, on a le choix de pas le faire, mais bon, on va quand même le faire.
Il va nous sauter à la gueule, vous êtes prêts? Même pas? Bah tant mieux, reste où t'es mon pote. J'ai trop peur qu'il se lève là d'un coup à la Undertaker. Oh mais pourquoi je reviens là? Barre-toi, c'est bon, j'en ai marre. Casse-toi. Allez, je me barre. Oh bordel, cinématique. Conrad! Arrête de gueuler! Conrad, t'es où, putain? Putain. On était à 5! On était à 5, après on s'est retrouvé à 3. Fliss, elle s'est fait choper. Il y a le petit, comment il s'appelle le petit? Il y a Brad. Oh, il s'est pas fait choper. On est là et maintenant c'est Conrad qui se barre. Putain, il faut par contre allez, ouais, il faut que j'arrive pas, je sais pas pourquoi Alex et Brad, j'arrive jamais à retenir leur prénom. Fliss, Conrad, Julia, Alex et Brad. Putain, mais Brad, il est où Brad? Où est passé Conrad? Il a dû avancer tout seul. Conrad! Arrête de gueuler! Mais arrête de gueuler! Chut, tais-toi! Je crie si je veux. Conrad! Sérieux, il est passé où? Ah, je me suis encore fait baiser dans ma relation avec elle, c'est ça? Non, mais. Calme. Qui m'observe? Holy shit! Bébé! What the fuck? Oh, le mot dira. Oh! Tu m'emmènes comme ça. Et pourquoi je te le dirais? Yes, on joue Fliss. Bon, avec Fliss, faut faire gaffe. Avec Fliss, faut vraiment que je fasse gaffe. Je veux pas qu'elle meure. Et elle, c'est un peu celle qui est le plus dans la merde, je dirais, pour l'instant. Quoique. Voir la relation entre Fliss et... Oh, j'ai jamais vu ça, c'est trop stylé. Julia n'a pas impressionné Fliss. Julia a fait des... Ah, oh, c'est trop stylé. C'est trop stylé. C'est trop stylé ça, j'ose pieds nus. Oh bordel. Non, y'a rien. Si j'essaie de m'échapper, il va me pousser. Fils de pute. Barre-toi, cours quoi. T'as pas sprint. Ah. Ah. Hey, arrête. Touche pas à ça. Ah le bâtard. Est-ce que je peux y retourner? Non, bah là je peux plus. Hein. Ouais. Alors je sais pas si j'aurais dû y aller plus vite. En fait, je crois que je dois aller plus vite que lui, genre. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu ne fais qu'obéir à ses ordres, c'est ça? Faut que je sois pas trop près de lui, comme ça je peux faire quelque chose. Je me barre assez vite. Stop. What? Mais je vais à la gauche, frère. Oh, je peux plus revenir en arrière. Putain, je pensais prendre un autre chemin, je me suis fait baiser. Du coup, je vais louper des indices. Voilà, il y a quelqu'un qui va courir, c'est évident. Non.
Putain, regardez. Oh, elle marche dans l'eau, hein. Il est en train de... T'entends à droite ou... Non, 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 reviens, reviens, il va me coincer, il va me coincer. Putain, je vais aller à droite, je vais aller à droite. Là, je vais aller là, je vais aller là. Ok, je peux pas y aller. Tout ça pour ça, ça marche. Allez, on essaie de le semer, on essaie de le semer. Oh. Allez, c'est bon. Montre-toi. C'est un cadavre. C'est juste des cailloux. Blaireau. Merde. Qu'est-ce que c'est? Les maudits bateaux de merde. Vise-moi ça. Elle lui a dit vise-moi ça au calme. Oh! What? Genre ça a changé l'histoire ça? Un maudit chapeau? Oh, Médagne a écrit. C'est le nom du bateau, non? Du coup, le jeu c'est le. L'homme de Médan, enfin l'homme du bateau quoi. Enfin, du bateau, du nom du bateau. Mais gros, je veux prendre le chemin, mais laisse-moi y aller, wesh. C'était quoi ce bruit? Des mais qu'est-ce que tu racontes? Tu la fermes, je veux plus t'entendre. Y'a des Wendigo dans le bateau, c'est quoi? Putain, nous deux on est perdus gros. C'est nos ennemis, mais bon, on sait pas où on est. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ah mais bon boy. J'ai eu peur. Ce jeu me fait... Oh s'il te plaît, t'es pas obligé de faire ça. Attends, il y avait un truc. Il y avait un truc là en bas. C'était la lampe peut-être? Ah, c'est peut-être la lampe quand je suis passé, hein. Putain, j'ai cru que c'était quelque chose qui avait... Faudrait que je revienne en arrière, mais... Je veux dire, tu meurs sur un bateau, ton âme reste sur le bateau. Allez, tu sais pas de quoi tu parles. Yes, yes. Où sont passés tous tes amis, dis-moi? Je sais pas du tout ce que c'est que cette merde. Mais faut qu'on avance et qu'on trouve Olson. Vite! J'avoue, pour une fois que je veux le trouver, Olson, ou là je serai plus. Olson! Merde. Qu'est-ce que tu fais? Oh putain, c'est quoi ce couloir? Ça sent le screamer, mon pote. C'était quoi? Bye bye! Oh non! Oh ce... La caméra était tellement bien placée, genre on... elle le voit pas, mais il y avait une putain de main, sa mère la pute. C'est le petit gars là, non? Oh, photo. Prémonition. Mais quel enculé. Est-ce que faut que je sois plus rapide pour choper certains objets? Genre faut que je mis assez de distance. Oh, mais toi, mais je sens tellement que tu vas mourir. Mais lui là, il est mort. C'est quoi ce bordel? Mais toi, tu vas mourir, gros. Toi, je suis sûr que tu vas crever, mec. Mais comme jamais, frère.
Il est mort? Je ne crois pas. Attention les mecs, il y aura le petit gosse. Oh putain, j'en étais sûr qu'il allait crever lui. Oh, j'en étais... Oh putain. Non, non, mais en vrai, je veux aller vers là-haut. J'ai pas envie de retourner vers où il y a le gosse. Je me casse et vite. Putain, non, 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 non. M'abusez gros, mais les QTE ils sont trop durs. Je sais pas où je vais gros, hein. Attends, parce qu'il y avait une autre porte. Genre celle-là je peux plus ouvrir. Mais wesh, arrête de bugger, pas par là. Mais... Yo, y'a quelqu'un? Ferme ta gueule. Merde. Culé de ta mère. Hey, il est plus là. Moi sa mère la pute. Je Mais d'où est-ce que tu sors? Ils peuvent être n'importe où. Oh putain. Ne me ralentis pas, non, mais il est gros. Comment t'es arrivé ici? Eh ben, je te cherchais, je voulais t'aider. What? Putain. Putain, je sais où c'est. Non, c'est où il y avait le camion où les deux mecs qu'on jouait, ils sont. Hey, la ferme. Tu fais quoi? Il a peur. Oh, il se passe des trucs chelous, frère. Parle pas avec moi, gros. Il y a encore un cadavre là-haut, il me semble. Là, ici. Mais attends, laisse-moi fouiller un peu. Oh putain, encore un cadavre. Oh bon ça! Oh c'est bon ça! Bon, du coup, toi, t'as un couteau. Bref, après, c'est pas parce que t'as un couteau que voilà, hein, je loupe un QTE, je perds. Mais les QTE sont tellement durs à abuser! Ah, toi aussi, t'as trouvé un cadavre? Bon sang! Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est des cadavres. Ouais, j'avoue que eux, ils sont. Attends, là, il y en avait un. Ouais, bah, ils sont bien dégueux, hein. Ah ben, tu veux pas me laisser examiner? Oh, Charles P. Oh, c'est Charles. Oh non, c'est bien celui qui est mort et qu'on avait joué au tout début du jeu. C'est Charles. Ouais. Boy! Fais gaffe. Non. On joue Brad. Donc on va aller voir les relations vite fait. Avec son frère, ça a beaucoup augmenté. Avec Julia, bat les couilles. Avec Fliss, ça a augmenté. Avec Conrad, ça a augmenté. Brad. Je
J'espère que Fliss elle est là juste hein. Fliss? Fliss? Mais non. Elle est où Fliss? 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 Elle est où? Ouah, doucement mon gars. Mais quoi, mais lui il la remet dedans en plus. Droite ou gauche les amis? On va aller on va aller d'abord là. Ah ok, en fait je peux pas aller là. Ah si, non, non, ok, 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 ça marche, ça marche. Regardez, il y a plein de sang, c'est dégueulasse. Attention, attention, doucement. Super. Tous ces couloirs se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Hey. Fliss, hey, t'étais passé où? What? Attends, elle a pas les mêmes habits? C'est pas Fliss ça. What? Genre je suis revenu au même endroit? Non mais lui il est en train de faire un cauchemar. Fliss elle va nous attaquer carrément. Il faut partir. Il faut partir. Il y a le même cadavre. Il va se passer quelque chose cette fois-ci? Alex. Ça c'est... bizarre. Bah lui il est en train de péter orange. C'est... what the fuck? Elle va revenir par derrière Fliss? Est-ce que t'es vraiment sûr? Tu la fermes et tu avances. What the fuck? T'avances et c'est tout. Non mais toi t'es en train de péter un putain de câble. Oh merde. Oh. Conrad? C'est Conrad? Ah non, c'est un... ah putain, c'est un autre cadavre cette fois. Putain, il y aura écrit quoi sur la balle? Ah, il veut pas retourner. Oh, dégueulasse. Ah, lui... non, mais lui, il est en train de péter un câble. Lui... non, non, mais lui, il pète un câble. Il fait un cauchemar, là, lui. Il est toujours avec Fliss, il est toujours avec... ou il est tout seul, il est tout seul. En fait, il a jamais retrouvé Fliss. What the fuck? Les amis, c'est tout pour moi. On va arrêter cette vidéo là. Moi je vous dis ciao tout le monde et on se retrouve la prochaine fois. Ciao.